Bonjour, bonsoir tout le monde. On TV News, chaîne information, qui est là pour nous porter une autre info pour nous sous dossier Anel Joseph Gracia Delva. Cette fois-ci, avec une autre voix, c'est Stanley Lucas qui a réagi sous dossier Sila. Côté nous connaît depuis semaine passée, son seul dossier, c'est sénateur Gracia Delva avec chef bandit Anel Joseph qui a fait actualité comme quoi que Yota Kimbi. Et sénateur, d'après toute enquête qui menait, il y a un sénateur qui compte participer dans mauvais à kidnapping avec chef bandit Anel Joseph. Côté sénateur, même il a déclaré que lui, il compte parler avec chef bandit Anel Joseph, mais il était clair et pour qui raison. Alors nous-mêmes, nous ne connaissons pas la justice devant la justice, comme nous connaissons le pays d'Haïti, c'est pas une justice. Là-dedans, eh bien, c'est la justice quand même, c'est l'ingénieur, c'est la justice que, qui parle qu'on est, est-ce que le sénateur est impliqué ou du moins c'est pas impliqué. Moi, invitez-nous pour nous suivre Stanley Lucas sous dossier Gracia Delva. N'abtenez, vous êtes connecté. Pour la police arrête un criminel, un terroriste, il n'y a pas toujours bah, tout détail, parce que faut protéger méthode qui existait qui permettent qu'un des criminels à terroristes. En général, dans tout ça, les law enforcement, avait dit et la police et unité spéciale qui dans la police et la DIA, y a des techniques spéciales qui ont jamais les révéler les chercher criminels. Donc méthode ça, c'est des méthodes qui ont conservé pour que criminels n'aient pas au courant de techniques que la police servit pour marrer. Bah ça a toujours qu'un des secrets. Mon bail qui certain. Et c'est où la police pour le bail et information qui n'a pas besoin de méthode yo, sous qui j'ai remettre mes sous monsieur. Mais son bon bagage pour la société. Parce que nous-mêmes, vous songez, depuis 18 mois, nous c'était le premier monde, vraiment voilà, qui dit, nous pas comprendre ce qui a passé. Les matériels en février 2016, ils ont écrasé toute gang, pas de kidnapping par rapport à sa prévalité remettre li. Les prévalités remettre matériel pour voir le 13 mai 2011, 100 kidnapping, 150 kidnapping par mois. Le matériel est le 7 février 2016, pas de aucun kidnapping encore. Donc, qui s'est passé pendant 12 mois pour l'hiver? Et qui j'en ai réarmé gang? Tout le monde a eu mérité réponse sur la question. Comment faire que pas de tout gang ça a eu en moins de 18 mois et vingé à peu près 76 gangs en dedans pays? D'après le rapport que la commission des armements a publié, ou bien information que vous avez dans la radio, il dit qu'il y a 76 gangs dans le pays. Anel, c'est le premier pas dans la bonne direction, mais en même temps, tout, faut nous poser tête nos questions. Qui j'en fait dans une période de 18-19 mois, gangs sont sorti de zéro et sont monté à 76. Faut nous voir une réponse à la question ça. Avant de poser notre question, Stanley, nous avons un son. Nous avons fait un son après ça, n'a tourné. C'est la fête de je me vivais avec courage parce que je suis grâce à là, mais cependant, famille, mes amis, pour ça que je me présente, ça veut dire que je fais partie de l'élite. Je ne fais pas partie de l'élite intellectuelle là, je ne fais partie de l'élite. Et politique là, même fait partie de l'élite culturelle là, parce que soit parler d'élite, élite ça veut dire que c'est l'élite de l'élite, elle dit même fait partie de l'élite. Mais, considération que vous faites là, vous avez une loi valable, oui, sénateur. Mm-hmm. Très certainement, vous avez une loi, et d'Acadie, des éléments en d'apposé là. Mais, là, on a parlé de, ou enquête qu'on y a, ou enquête. La police, la justice, ça c'est des débats qui sont différents. Mm-hmm. Ça veut dire que n'y a pas juste cita sous supputation, n'y a pas juste cita sous allégation. Par exemple, il y a rien de fait. Et une nouvelle, c'est que ces rapports que vous joignez qui développé entre vous-même et un chef de gang, le renommé, d'Akadi, Anel Joseph, son chef de base, ça fait scandale. Il te pose la question, est-ce qu'il y a des rapports privilégiés avec monsieur? À un certain moment, tu es hésitant, jusqu'à ce qu'on vienne confirmer où tu es qu'on parle à monsieur. Je vous dis, on nous fait la vérité, jaillit sur question ça. Qui rapport développé avec Anel Joseph? Bon, premier sorti, la question qui est importante, c'est que, on connaît surtout, nest qui fait droit en le pays, nest qui a une grosse connaissance, connaît qui gens ont rapport. Qui ont enquête faite, enquête judiciaire qui s'allie. Mm-hmm. C'est-à-dire que le que bon rapport qu'a fait, enquête la police a fait, il faut que les remettre les bail
un commissaire gouvernement qui permet que la justice lui-même, les bons gens, que le fonctionner à quête. Mais sous garde de rapport, ça, c'est pas un rapport à la police, c'est un rapport politique que lire. C'est un rapport politique parce que, on dit, d'après les commissaires là, il y en a l'émission, et la justice pour recevoir un rapport là, et puis, doit jouer et puis, tout le monde est à 98%, il est à juger, il est à kidnapper. Sans que la justice pour qu'on nous aide, sans que la justice pour qu'on lui-même mène une enquête. Et leur bon rapport, comme ça, un rapport qui est sérieux comme ça, veut dire que, ou pas qu'à prendre la police là pour mener la politique, ou pas qu'à chef police, en même temps, en dans le parlement, et puis, ou descendre dans la commission, et puis tout le monde est dans la commission, que ça sénatrice, que ça yuri, il est dans le rapport, et puis c'est dans le parlement, ou vient dans le rapport, il vient une politique. En fait, pour nous, qui s'allier, pour nous clair, je voulais juste faire aller ça, parce que on l'a. Stanley, dans l'enquête de la police judiciaire, et nous, on doit plonger sous monsieur, on a parlé à la, c'est honorable sénateur Garcia Delva. On doit plonger sous monsieur, comme monde qui est en contact direct et serré avec Anel. Et d'après vous-même, Stanley, expliquez-moi, dans la situation, qui ça qui doit être fait dans le cas ça au niveau judiciaire et au niveau politique. Qui ça qui doit être fait en dedans chambre sénat? Au niveau judiciaire, les bons cas comme ça, et direction affaires judiciaires, la police font enquête. Sous base enquête là, ont ensemble de données et preuves que le collecter. Ensemble de données et preuves que direction des affaires judiciaires, ça les DCPJ, et collecter, lui font enquête. Enquête là, vient permettre que qu'on rapport a un ensemble de conclusions et de recommandations. Les rapports ça apparaît dans le DCPJ. DCPJ pas travaille pour le Sénat. DCPJ pas travaille pour la Chambre des députés. DCPJ pas travaille pour une série de. DCPJ travaille pour la justice. Depuis les rapports ça a fait fin parler. Rapport ça allait directement par le commissaire du gouvernement. Le livre venant même commissaire gouvernement lui-même, il y a des considérations qu'il fait sous base considération légale et il y a des procédures pour suivre, lui remettre lui, ben ça relève au juge d'instruction. Juge d'instruction lui-même, c'est lui-même qui a écrit Sénat et juge d'instruction pour demander au Sénat, mettre le sénateur à la disposition. Le juge d'instruction finit le Sénat et demande au Sénat, mettre le sénateur à la disposition. Et le bureau Sénat pour organiser un vote côté librement des sénateurs voter sous retirer l'immunité sénateur. Si sénateur vote et yo d'accord pour retirer l'immunité sénateur, même côté, les résolutions fin voté et un document que c'est écrit qui dit que yo retiré l'immunité parlementaire sénateur et à ce moment-là, yo mette sénateur à la disposition de la justice. Ça me saute, c'est comme ça procédure t'a dû faire. Donc, son douke, j'en fais radio avec des filles qui gèrent dans mes droits humains, qui gèrent dans la tête, document A, mettez clairement projecteur ou sous-sénateur et dit que sénateur a dit. Vraiment, mais c'est la justice qui va déterminer est-ce que son kidnappeur ou pas. Mais le fait que la voix déjà dans la rue, l'inamé la presse, l'inamé les droits humains, perception populaire, c'est que son kidnappeur est lui. Pas l'impression que la justice n'en va aller. C'est ça que l'on est.
Bon, est le nouveau téléphone, on commence à trembler et nous ne connaissons pas qui ça a causé ça pour là. Question nous gagne, nous pouvons ajouter sur question de déposer là. Nous remarquons Pierre Espérance et qui c'est qui n'a et droits humains, monsieur est vraiment actif dans notre dossier Gassa Delvassa. Est-ce qu'on pense qu'on a raison de ça? Bon, le problème là c'est que depuis la affaire chèque BM Padlan et Pierre Espérance ont question de crédibilité. Ça veut dire que l'OALGA Stando pas sorti même, ou pas sorti et coupé à déchaîner là. Bonjour coupé à. Ok, bon 30 secondes. Nous avons une émission par nous, qui c'est en maintenant, émission qui est préparée, qui est présentée par moi-même Wilson Doxius tous les dimanches à 7h. Et nous là pour nous assurer le ça. Et pendant que nous avons un retour de Stanley Luca, parce que dans le moment ça là, le téléphone monsieur a tremblé. Nous racontons qui ça a causé ça. Restez sous de nous-mêmes pour nous faire suite, pour nous faire continuité de suivre l'émission ça. Et notez bien que Stanley pour nous n'a pas imprévu parce que je n'ai pas pensé Stanley tape là. Question, Stanley a répondu sur la question que tu as préparée pour dimanche passé. Et malheureusement, bon, je ne suis pas capable là. Je suis à me penser le pas tape là encore. Bon, je ne suis pas arrêté quand même. Mais également, oui, nous t'entendons, oui, Stanley. Donc, question où tu as répondu, c'est que depuis les Pierre Espérance, tu as fait un chèque BM Pad là sous privé. Et enquête que Guerrier Henri te fait sous ça, côté lui te montre que M. Tefin prend chèque là, 1 million de gouttes sous privé dans mes BMPAD, et il n'a pas même informé mon RNDDH que chèque là est dans mes. Même le Mario Lengil, qui en dedans à l'époque RNDDH, à l'époque Mandil, est-ce qu'il a un chèque dans mes? Il n'a pas un chèque là-bas dans mes. Les journalistes te demandent, ou songez, même nous-mêmes nous demandons, ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas gagner un chèque, c'est écrit l'écrit, alors que le chèque-là est dans la poche, monsieur, depuis que ça nous est que, chèque 1 million de gouttes de ça, monsieur, d'après quelqu'un de bouli, c'est enquête qui vient révéler qui fait que, et pratiquement c'est un mouvement de corruption que vous avez. Et, puis devant nous, on va comprendre plus de bagaille. Par exemple, et tout le monde capitaine de. Captain de Mla Aswea, al sou Google boue. Marquez ça sous Google. Le RNDDH fait des révélations sur le passé de certains candidats. Bon, me répondre ni encore, ou aval sous Google marquez. Le RNDDH fait des révélations sur le passé de certains candidats, virgule, Radio Kiskeya. Moi, par exemple, un rapport que RNDDH a fait sous et Chilé Louido. Rapport ça a montré que Chilé Louido a volé $700,000 de cocaïne que la police a saisi. Et je dis à l'oise sur le website RNDDH, rapport sur Chilé Louido pas là. Rapport sur Jocelyn Privé pas là. Rapport sur un paquet de qui a commencé à gagner pas là. Donc depuis le Sahara, sous privé, mon vie ouais que des bons rapports qui pourquoi un chèque 1 million de gouttes BM pas été fait Pierre Espérance cadeau et pas même dit ça à mon cap travail MDDH, c'est journaliste qui devine découvrir ça. Depuis le Sahara, mon vie découvrir que monsieur pas dans droit humain encore, monsieur sont militants politiques que lié cap travail pour mon pote. Donc dans ce sens ça un problème que lié. Parce que l'on a un droit humain, ou pas qu'il y a une force côté. L'on a un droit humain, si tête calé font bagay, faut bay preuve et casser un tête calé. Si c'est Lavalas qui font bagay, faut bay preuve, casser un Lavalas. Si c'est Mopod, ou bien Mokrina, ou bien OPL, Fusion, quel que soit secteur politique ou secteur économique qui font bagay, faut qu'on casser un nid, donc faut qu'on indépendance. Donc depuis 2013, espérance, pas droit humain encore. Espérance son militant politique qui est lié à la position politique. Moi-même, moi, clair sur cause ça depuis longtemps. Pour moi-même, je suis un dirigeant mon pote que lié. Bon, Fanzi tout Stanley et t'assemblé et je ne dis pas, DG la police là, monsieur t'a fait appel avec Dieu et pour venir pour question à Nel comme quoi, il y a un sénateur Sid
qui était en collaboration avec Anel pour affaire drogue. Est-ce qu'on canalise ça pour nous? Bon, moi-même, son démocrate que mieux, ok? En tant que démocrate, nous croyons à la suprématie de l'autorité civile sur les autorités militaires et policières. C'est comme ça la démocratie a fonctionné. Avait dit que l'autorité hiérarchique, commandement de la police, là, c'est le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la police. Autorité civile, commandement de l'armée, c'est le ministère de la Défense. Moi-même, j'ai un problème sérieux qui a développé dans le pays qui m'a dit corruption. Et qui m'a dit correction. C'est donc qu'on a pas de contrôle sur la police. Là. Avait dit que une faiblesse en le ministère de la Justice qui fait que supervision journalière qui doit être faite dans la police n'est pas faite. Je voulais vous dire, et vous regardez dans Washington, pour être conseiller à la sécurité nationale, président Trump, tal, font-ils parler avec un ambassadeur russe, il est révoqué. Je voulais vous dire, son danger pour la sécurité nationale, nous, que le commandement de la police, là, à différentes sections de la police, là, et étrangers gardent à lui-même plus facilement par ses autorités civiles dans le pays. Moi, je pense que, en d'un ministère de la Justice et en d'un Conseil supérieur de la police, même j'entends, en d'un ministère de la Défense, il y a des balises que vous mettez pour que dans le cadre de coopération que étrangers abattent la police ou bien l'armée, une supervision rigide, serrée de la police et de la défense. Pour moi-même, dans le pays, il y a un chef tout bon, depuis qu'on un officier supérieur police nationale, qu'il prend contact avec une ambassade, ou bien qu'il fait photo avec une ambassade, sans autorisation spéciale du ministère de la Justice, ou t'as révoqué automatiquement. Même j'entends, si il y a une autorité toute bonne dans le pays, depuis qu'on officier supérieur de l'armée, qu'elle fait photo dans l'ambassade ou bien chita avec l'ambassade, sans autorisation, ou bien en présence d'une autorité civile du ministère de la Défense, l'a révoqué. Ceci dit, les balises de contrôle et de supervision SAEO qui mettent en place pour la police à travers le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la police, les balises SAEO qui mettent en place pour l'armée à travers le ministère de la Défense, moi, je n'ai aucun problème que Haïti coopère avec l'institution internationale pour casser tout droit de l'île. Mais j'en ai fait couler côté ambassade, gagne plus autorité sous la police que autorité civile pays, et son bagage inacceptable pour moi-même. Bon, et... C'est là sur façon que DG la police là, la ghetto c'est judiciaire ça et non mais Sénat au lieu de collaborer à commissaire gouvernement d'ailleurs c'est ça que tu as supposé faire avec la justice. Est-ce que vous pensez Michel-Ange Léon pour vous-même monsieur a fait politique et a manipulé dossier peut-être que tu as toujours qu'un monsieur comme étant DG la police là. Vous pensez qu'on possibilité pour pousser ça qu'a fait là pour moi-même et mandat chef police fini mois de plan là et il avait dit mandat fini. L'on fait analyse de temps passé dans tête police là pendant 19 mois qui se passé à c'est dans même situation sécurité pays a dégradé. C'est dans même situation sécurité pays a dégradé pendant 19 mois. Et c'est pendant que le directeur national police a 76 gangs qui développent dans le pays a. Première question qu'on doit poser, qui j'en ça a fait arriver? Moi-même, toutes les compositions, depuis longtemps, depuis ces gangsters ou ces criminels ou ma besoin d'en connaître, dans qui camp politique, dans qui camp économique, faut que vous casserons. Toutes les compositions depuis longtemps, il va me changer. Mais pour moi-même, bon gestion qu'a fait, parce que, ouais, moi-même, son aide, faut que vous marrez criminels là, ou bien terroristes là. Mais bagay qui est plus important, le fin mari criminel à terroriste, il faut garantir qu'elle condamné. La justice et la police arrêté Clifford Brandt en 2013. Je dis à nous en 2019 pour qu'on ait condamnation. Et c'est ça ma boule, oui, mais.
de pour moi un dossier ça c'est politique qui la donne ou c'est gangster à quoi protéger tout le monde qui entre dans dossier ça qui fait politique avec lui ou mettre connecté yo gon relation à gangster qui a protégé même pas besoin qu'on est dans qui camp politique pour nan yé de pour t'en contact à gangster ou t'es dans kidnapping à gangster ou t'es dans faire combat gangster faut que la loi casse rien mais en même temps tout conseil de bagarre qui m'a observé qui pas normal parce que j'ai un dossier à gérer là moi même moi qui politique tout là dedans il pas droit qui politique quitter la justice fait travail li a pas juge là t'es enquêté le juge là fini enquêté li joint 9 moun qui touye Jean Dominique yo juge là j'ai 9 moun même pas gagne problème à juge yo même juge qu'on fait travail seul bagarre qui juge d'instruction fait travail li tout moun nou wè k ap vinn mete politique c'est pour protéger moun ki nan secteur privé moun ki nan l'état ki gen contact avec criminel yo moi m'a dit konnen ki moun ne pou son on est ou t'es dans contact avec criminel ou t'as tel agence que casseront moi m'a nan rien dedans tout les problèmes soudainement 15 députés qui gen tendance la valace bien sûr et en dedans chambre député a monsieur fixé pour 7 août mise en accusation président Jovenel et Moïse. Comment on analyse ça, Stanley? Bon, et son bagage qui gagne à la fois danger et opportunité. Mais avant de répondre à la question, ça, pour le bagage qui m'a dit, il faut que nous fassions analyse de l'affaire mise en accusation et en général. Et l'idée fait qu'on première fois dans le pays d'Haïti, où son en 2013, avec un faux dossier, Simon Lidra, comme président du Sénat, a fait un montage pour lui faire mise en accusation président Matéli. Pour y voter sous sa voie la Chambre des députés, sous qui base, de la dédiqué, Michel Matéli comme président, débat juge Jean-Serge Joseph Poisson non whisky. Et puis, il courra le voter sans pas aucune enquête qui fait rien. Pendant le dossier arrivé dans la Chambre des députés, qui ça nous vient de découvrir? Nous vient de découvrir que juge Jean-Serge Joseph pas mouru de poison, il mouru d'une maladie naturelle qu'il a souffert depuis 15 ans. C'est ça autopsie qui vient de révéler que vous avez fait Canada. Voilà que Terra a fait un montage pour pratiquement faire un coup d'État. Heureusement que vous avez découvert ça, ça n'a pas marché. Ici, tout aux États-Unis, l'entrée dans la Chambre des députés américains, qui est la Chambre des représentants, nous avons 100 députés américains qui demandent pour juger Trump. Malgré que les démocrates ont une majorité dans la Chambre des députés à Boïsien, yo poko construit majorité dans propre camp yo pour yo faire mise en accusation président Trump. La caille nous l'a regardé lettre député Lavalas yo écrit et pas rien sérieux là-dedans pour aller mettre ton président en accusation. Mais yo parle de massacre la Sali. Moi-même, moi li rapport Nations Unies qui gère 20 pages, moi li rapport Fondation Éclairée et comme rapport de CPJ a circulé, moi vonn ni tout. Aucun rapport ça yo pas gen rapport à président. Yo dou ça passé la saline nan. Pour moun ki besoin garder copie rapport, il gen différence entre ça k'ap di sur réseaux sociaux et ça k'ap di sur radio et ça nan rapport. A li rapport pour moun ki besoin copie rapport, a son sou compte Twitter moi @stanleyluka01 ou bien @commercialstanleyluka01 ou ap joine copie rapport à Lille. Dans le rapport, il va parler de président. Il va parler de 5 gangs qui t'a commis contre 2 gangs pour contrôler l'économie de la Sali. En même temps, tout, dans le rapport des Nations Unies, il dit délégué départemental de l'Ouest, non cité dans le bagage là. C'est ça qu'il dit dans le rapport. Donc, l'organe des lettres et 15 députés de la Valation, il a dit que pour mettre un président en accusation en Haïti, vous avez besoin de 2/3 de la Chambre des députés. Vous avez besoin de 82 députés. Si 82 députés votent, son bagage vous prend au sérieux. Donc, je vous dis, et son danger lié, est-ce que 15 députés Laval à Sao, pas joindre 82 députés capables de voter pour mise en accusation président, l'organe de l'ETUA, c'est des excuses bidons que vous bail, et côté APC, Yabdou, pour question Petro-Caribé. Moi-même, le rapport Petro-Caribé, le rapport Petro-Caribé, qui ça vous dit? Jovenel Moïse recevront un projet, pas même Jovenel Moïse, Agritrans recevront un projet pour $466,000 américains pour fonds route au boy. Pour $466,000 américains, il fait 80% route là,
dans 460 000 dollars américains que vous devez payer, vous payez 133 000 dollars américains dans 466 000. Moi-même, c'est ça, moi, dans le rapport. Par contre, si quelqu'un qui lit le rapport, moi-même, lui. Donc, c'est sous base ça, pour avoir une mise en accusation. Donc, là, on prend un nègre, j'ai fait une mise en accusation, son mise en accusation bidon. Donc, mise en accusation, il y a un danger là-dedans, il y a une opportunité. Qui ça danger à elle? Nous, on est que, et bourgeois réactionnaires Port-au-Prince, groupe de Boudon, groupe Blackout, ils ont besoin de mettre le président Jovenel à terre pour mettre un président de facto capable de défendre l'intérêt dans l'électricité, route, importation, la douane, les frontières, le monopole et la trier. Donc ça a paré pour investir comme dans le député pour essayer de joindre 82 députés pour voter. Donc ça veut dire qu'il y a un danger là. Il y a des secteurs politiques tout. Mais qui pas représenté dans le Parlement, et qui est représenté dans le Parlement, par exemple, nous connaissons la Valas, qui a 5 députés sous 119, nous connaissons Petit Dessalines, qui a 3 députés et sous 119, nous connaissons que Mopote peut-être gagne une. Donc, le groupe Sayo a essayé de joindre, souvler, et en façon pour mettre le président à terre pour que c'est eux-mêmes qui vous joignent le pouvoir. D'ailleurs, autant de Dr. Enol Buto qui n'a pas combattu là, qui était dans la masse hier, monsieur Dou, faut que nous prenions pouvoir. Il dit que nous n'avons pas fait une élection pour prendre pouvoir. C'est coup d'État qui vous fait. Donc, il y a un danger là. Donc, si il y a un danger, il y a une nécessité de garder qui gens pour gérer le parlementaire. Son opportunité qui est liée à tout, opportunité à, ça veut dire que si le président compte qui gens pour gérer et renforcer les relations à groupe parlementaire qui est en contact dans la Chambre des députés, ça veut dire que si votre capable fait, sous mise en accusation président, si le président réussit à garantir que les gens ont 82 votes, son défaite pour le secteur violent et destructeur, son défaite institutionnelle et démocratique, capable de retirer la gasoline dans le moteur par rapport à la violence qu'il voulait faire en septembre et en octobre, et pour y aller faire coup d'État. Ça veut dire que si les gens pas réussi à 82 votes, le secteur violent et destructeur a son gros défaite qu'il va lier. Donc ça veut dire que mercredi 7 août, son bataille stratégique qu'a fait entre le président Ombo avec Alielio et l'autre Boa, entre secteur et violent et destructeur qui besoin faire coup d'État et mettre M. Abe. Donc son question de manœuvre politique, stratégie politique, gestion politique, jeudi à dimanche, lundi, mardi, pour qu'il ait mercredi 7 août. Bien entendu, obligé à regarder qui joue de politique, tout Garibaldo, président Chambre des députés, a joué pour qu'il comprenne. Ça a fait là. Mais pour moi-même, et le fait que j'ai mise en accusation en cap fait, ça montre que la démocratie est en bonne santé en Haïti. Et Chambre des députés a un fonctionnement démocratique côté que moun ki pour, que moun ki contre président, il va l'obliger à venir avec des arguments sérieux. Mais n'est-ce qu'il y a une violence, yo, depuis cette violence qu'il a fait en deux Chambre des députés, là où il a perdu, eh bien, la fin est perdu en pile plume toujours. Chambre députée a créé une commission pour analyser le dossier Premier ministre Fritz William Michel. Qui ça vous pensez qui pourra le passer et dans la Chambre députée le 8 août 2020? Bon, pour moi-même, et joueur politique et qu'a fait dans la Chambre des députés, pour moi-même, il faut féliciter Garibaldi tout, son joueur politique supérieur. Elle dit que, et, contrairement à Cantav, Bodo qui maîtrise Chamnia et Bodo son café politique. Elle dit que si M. a fait séance mise en accusation, ça montre que son équipe a fait l'idée, qui n'a pas fait une bataille politique démocratique. En même temps, tout, le fait qu'elle crée une commission pour analyser le dossier Premier ministre, M. comprend que le pays a des priorités. Jodi a fait 136 ou 137 jours depuis que le pays a pas bon gouvernement. Nous songeons que le Premier ministre. Et Jean-Henri Séan, Chambre des députés a révoqué le 18 mars. Donc, depuis le 18 mars, c'est peut-être 137 jours, rien ne va plus suivre, mais à peu près 137 jours et depuis que le pays a pas un gouvernement. Chaque jour qui passait sans gouvernement, c'est l'économie pays qui a fait bas. Chaque jour qui passait, le pays a pas un budget, c'est l'économie pays qui a fait bas. Donc, le député a eu mandat à fini deuxième lundi de janvier, ensemble avec le sénateur. Que le mandat a fini deuxième lundi de janvier, il y a un intérêt que le bon gouvernement. Parce que l'intérêt a automatiquement qu'au bon gouvernement pour voter loi électorale,
ou ka résoudre problème socio-économique, ou ka bataille contre insécurité, ou ka répondre à besoin peuple là si gen cyclone, ou gen loi faire rentrer scolaire, bon série de dossiers prioritaires comme ça. Et li pi bon pour député ak sénateur que mandat est fini, que c'est élu qui remplace élu. Ça veut dire soumettre un gouvernement processus électoral là entaché pendant ou même que mandat a fini, élection a fait. Li bon paquet opportunité en tant que lui qui a cherché l'autre mandat. Mais sous qui te que mandat fini et puis élection pour qu'on même commencer, li plus difficile pour qu'on élu pour élu. Donc, souvent, le ou mette comité pour analyser dossier premier ministre, son bon bagay que le bras a le fait, parce que le 7 août, gagne mise en accusation, et le 8 août, gen processus ratification premier ministre, côté peut-être 16 ou 17 députés qui comptent. Il y a une possibilité de venir avec des arguments contre le Premier ministre. En même temps, tout l'autre groupe de députés, on ne va pas côté où ils positionner, mais il y aura des arguments tout, et pour qui ça, eux-mêmes, qui positionnent par rapport au Premier ministre. Donc, débat 7 août, on va l'intéressant pour mise en accusation, débat 8 août. Moi, je vais vous dire 100% qui est vérité, depuis le secteur violent et destructeur, particulièrement Negla Valasio. Il y a fait violence encore en dans chambre, c'est eux-mêmes qui ont perdu plus. Nous constatons qu'il y a soi-disant 4 tweets, Premier ministre nommé, on a parlé de M. Michel, et qui a fait un pile buzz sur Twitter. Et est-ce que tweet yo, c'est pour PM, non? Tout bon vrai? Ou bien est-ce que c'est manipulation et qui a fait sur PM nommé? On analyse ça pour Mounio Stanley. Alors, femme du Mounio tout, pendant que maintenant là, nous avons fait week-end là, Radio Kiskeya et Tegen ont levé campé qui fait devant pour soutenir ou bien porter la main forte à Liliane Pierre-Paul. Nous avons Jean Mona te joint tout, Radio Zenith te joint pas tout. Et côté, un pile monde dans la population a décidé pour porter la main forte à Mounsayo. D'après yon même tweet et PM nommé, c'est contre Mounsayo directement. Analysez ça pour Mounio. Ce m'a dit c'est que et conseil des nègres qui a essayé comme si dans le cadre politique qui a fait qui a essayé de développer une perception comme si les journalistes qui persécutaient tout le monde connaît que Jovenel Moïse pas quoi dans violence depuis là il commence comme candidat tout le monde d'ailleurs il y a monde qui a reproché que ils sont président qui mourent de là comme ça mais c'est pas quoi dans violence les fait qu'il gagne élection Vitali en Apopopulisme en 2015 dans l'élection. Bon, deuxième élection qui fait avec président en Apopopulisme, président privé qui te contrôlé tout le bagaille. Les privés gardés, les rivés dans le palais, qui mettent commission, falsification avec Gédéon et Latrier qui te besoin de mettre Jovenel dehors, les nègres analysés ouais, et Jovenel te gagne tout bon. Les nègres obligés de venir faire l'élection. Ou bien, malgré que. Privé, toute la valasse, tout nèg sa yo te contrôlé, tout gouvernement, Jovenel Kale nèg yo dans l'élection quand même. Donc, nèg yo qui fin perdit l'élection, nèg sa yo, yo gen sa yo long playbook qui a pas appliqué depuis quelques temps. Yo gen 20 ans a pas appliqué playbook ça. Depuis ou perdit pouvoir, y a essayé fort passer concours moun et qui a fait répression sur journalistes, ou c'est criminel ou dans massacre, c'est technique ça qui a développé. Alors que soit analyser tout bon, et Jovenel Patrouille journaliste. Tout le monde connaît qui est Ravine qui touille Vladimir le gagneur. Pour journaliste Rospide Pétion, tout le monde commence à être clair, semble que c'est madame nan même qui touille, qui voulait touille. Et nous, famille, madame, nous avons fait un paquet de démarches dans ce sens-là. Et des gens qui devraient faire la couleur politique, tout le monde connaît. Pourtant, tout le monde connaît que Aristide touille Jean-Dominique, Aristide touille Brion Lindon, Aristide a nek que nous connaît, touille Kato, Fanadi touille Jacques Roche, etc. Ok? Donc, tout le monde connaît que avec violence, Jovenel Bakwe là-dedans. Donc, les gens font pas qu'ils font là, comme si le gouvernement fait massacre, etc. Donc, massacre à Saline, tout le monde connaît qui 5 gangs, dans le rapport l'Union, il est très clair. Les gens qui gang qui t'a frappé dans la Polonia. C'est base Tokyo, base Pilate, base Charbon, base Bois d'Homme, base Saint-Martin. Base Delma 6, base Delma 2. C'est base Sayo qui a attaqué deux bases qui t'ont contrôlé la saline. Et puis, bon délégué, délégué a pas gagné délégué qui recevoir instruction pour faire ceci, c'est là. Donc, si délégué a impliqué tout le monde, la justice pour aller impliquer a cassé même. Moi-même, question que m'a posé, Wilson, pour qui
ça nèg yo peur yo pa vle quitter la justice nan fè travay yo parce que faut pas oublier que la valasse a bon politique la valasse a pas jamais chercher justice la valasse a pas jamais chercher justice et pour Lovinsky la valasse a pas jamais chercher justice pour personne spécialité la valasse c'est servir à cadavre moun pour faire politique mais la valasse a pas jamais fait rien pour essayer aider peuple à joindre justice dans aucun cas mais depuis c'est pour servir à cadavre pour faire politique yo bon la dedans donc pour moi même question qu'on pose là c'est que et tweet yo gen des tweets que nèg yo accusé premier ministre OK on garde premier compte Twitter parce que moi même son nèg moi sur Twitter m'a dit m'gran pile monde même gon 53,000 monde qui suivent moi sur Twitter à garde sous compte moi @stanelika01 à commercial stanelika01 elle dit que moi même sous compte Twitter moi j'ai deux fois plus monde que Maurice Jean-Charles. Donc ça veut dire que je ne suis pas leader politique, non? Mais j'ai 53,000 personnes sous compte Twitter moi, à base dans le Lika 01. J'ai deux fois plus monde que Maurice Jean-Charles. Regardez-vous. Donc ça veut dire que je ne suis pas fort dans Twitter, non? Même compte Twitter plus ou moins. Premier bagage, moi, je trouve qui est étonnant. Pour qui ça, radio qui concerne vous, qui dit que vous faites tweet sur vous, pour qui ça, vous n'avez pas écrit Twitter? Mandez Twitter pour qui est-ce qu'on plaît. Vous n'avez pas fait ça. Premier bagage, vous avez constaté. Et Wilson, il va écrire Twitter. Alors que si on écrit Twitter, en 48 heures, il y a une réponse là. Parce qu'il vous concerne. Avec premier bagage là. Parce que Twitter très sensible par rapport à la liberté de la presse au niveau mondial. Son journaliste menacé. Il écrit, même côté à Twitter, en 48 heures, il y a bonne réponse. Parce que il va regarder IP computer, il va regarder adresse Mac qu'on a utilisé. Et conseiller des bagages qui permettent où est-ce que c'est mon nom et à qui ça le monter sur Twitter à chaque fois. Données techniques sont disponibles. Mais premier bagage pour regarder qui bord des doutes, c'est que depuis les comptes informés, Wilson, il y a trois noms sous lui. Même compte l'un, il y a F. William Michel, W. William Michel, il y a Yves Gary Gauthier, il y a Willem Gauthier sous lui. Avec dit que même compte l'un, il y a trois noms qui ont utilisé depuis l'aile de fondée. Vous suivez moi, Wilson? Oui, ma suivez vous. Nous, depuis contre l'an créé, il y a trois noms qui ont servi à contre l'an. Contre l'an qui écrit contre journaliste. C'est le premier bail qui me constate. Mais lorsqu'on est canalisé profondément, vous allez remarquer que contre ça, a un rapport et même style. Est-ce qu'on songe à l'époque, les manigas, Syriens, etc., qui fonctionnent ensemble? Vous songez contre email qui te relait les eaux grenant. Vous songez contre email ça? Là oui. Ouais, il y a un rapport à contre email ça. Zo grenant. Et pour que c'est un madame Aniga qui a frappé. Regardez-vous, ouais, une correspondance, un rapport qui existait, une ressemblance qui existait. Entre, et moi, carrément, m'a dit, je vous dis, entre faux compte Twitter, premier ministre, là, et zo grenant ça. Troisième bagage qui m'a voyé, regardez, ancien directeur de communication primatien qui sortit tout en tweet qui dit que le premier ministre a une nationalité. Regardez, directeur de communication, ancien directeur de communication primatien qui sortit tout ça et pour comprendre tout le bagage. Et qui j'en montage la fête. Et vous savez, ouais, réseaux sociaux et scientifiques électroniques toujours là. Et même Gélo Adou et ambassade américaine. Avec capacité qu'elle gagne, on qui est-ce qui fait déjà. Il y a qui est ambassade américaine, qui est-ce qui fait. Et même, il y a des outils pour ça, il y a des monde pour ça, il y a l'État qui fonctionne avec compétences qu'il y a besoin pour les besoins de bagaille. Ambassade américaine, qui est-ce 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 qui est-ce